Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3, donc l'édition GOTY. Donc dans la dernière épisode, nous avons tenté de voir avec Sherry ce qu'on pouvait faire avec moi. Plutôt on sera là-bas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, trésor? Donc on la prend avec nous, chers amis. Si on lui parle. Je crois que cette salope s'est cassée. D'accord, ok, c'est tout ce qu'il y a. Bon, bah, elle est juste avec moi. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais c'est bon, j'en ai assez de te parler. Merci. On viendra voir ce qu'il a sur lui, etc. plus tard, je pense. Quoique, attendez, si on se met dans le noir. Hop. Et voilà, on lui a chopé ce qu'on voulait. Clé spéciale. Non, normalement, il doit avoir quelque part quelque chose qui s'ouvre avec une clé. Hein. Clairement. Hé, hey, bébé. Je te paie pour me distraire. Alors, mets un sourire sur ce joli visage et apporte-moi un verre. Je t'apporte un autre verre dans une minute, Dookie. Sinon, regardons partout s'il n'y a pas un coffre ou un truc comme ça. On n'aurait pas l'air fin si on... Si on n'avait pas le coffre. Attends ici. Oui. Ok, est-ce qu'elle bouge ou pas? Non, elle attend bien là, c'est parfait. Il doit y avoir un coffre quelque part, quelque chose qui... Qui soit personnel et qui nécessite une clé. Alors, voyons voir, c'est quoi là? Ah oui, les chiottes. Ici. Donc vous voyez bien, c'est pas là qu'on utilise la clé. Hop. Et là, il n'y a pas de coffre. Je prends tout ça. Et à nouveau, il n'y a pas de coffre. C'est là qu'est le plus gros problème. Peut-être derrière la porte? Non, même pas. Donc ce n'est pas là. Oula. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien, merci. Là, c'est encore des chiottes. Où est-ce qu'il aurait pu mettre un truc nécessitant une clé? Ah, la gueule. Où est-ce qu'il aurait pu mettre ça? J'ai la clé spéciale. Mais alors, à quoi elle sert? Telle est la question. Je ne vois ni coffre ni rien. Je vois un chiotte ici, mais c'est pas ça. Est-ce que ça serait attaché quelque part? Est-ce que ce serait attaché en hauteur? Ça peut pas être ça, on va faire un F5. Réveillez-vous, les terres désolées, c'est moi. Non, c'est pas ça. Attends, il doit y avoir quelque chose quelque part. Il doit y avoir quelque chose quelque part qui nécessite un coffre. Enfin, qui nécessite une clé. Clé spéciale. On est d'accord. Alors qu'est-ce qu'il me dit dans le trousseau? Est-ce qu'il me dit quelque chose dans le trousseau? Simplement. Déjà, pour commencer, divers. Porte-clé. Clé spéciale de Dookoff. Et je ne sais pas ce que c'est. Clé spéciale. Salut. Clé spéciale. Ouvrir bureau. Non, 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 c'est pas là. C'est pas ça et c'est pas là. Ouvrir bureau, deux capsules, c'est pas ça non plus. 40 capsules, pourquoi pas, mais c'est pas ça que je cherche. Qu'est-ce que je ne trouve pas? Qu'est-ce que le jeu me cache? Est-ce que ce serait en dehors? Ça m'étonne. Qu'est-ce que le jeu me cache? Clé spéciale, clé spéciale. Pourtant, je ne vois rien qui nécessite une clé. Je ne vois rien qui nécessite une clé, c'est ça qui est chiant.
pas de coffre derrière le lit, ni rien. Alors. J'ai les deux meilleures putes de terre, désolé. T'en as plus qu'une maintenant, mon cher. Vous cassez mon sommier un jour. Oh putain, il est con. Elles vont casser mon sommier, mais qu'il est con, mais qu'il est con. La gueule. Bon, alors. Qu'est-ce que ça pourrait être? On a visité. Alors, sauf si on a raté quelque chose dans la pièce du bas. Mince, c'est pas le sprint, ça c'est vrai. Il n'y a pas de sprint dans ce jeu, pense-y, Marcus. Alors, où est-ce que ça pourrait être? C'est pas au sol? Est-ce que ce serait dehors? Hop. J'en doute. Sincèrement, j'en doute que ce soit spécialement... Enfin, que ce soit dehors. Sauf si c'est dans cette porte-là. Toujours pas. Je sais pas. Bon, bah tant pis. Écoutez, on va mettre fin à cette petite recherche. Alors. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin? Bon, apparemment non, on va y aller comme ça. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça en face? Quelle quête j'ai en actif? Ça va être retourné auprès de Moira en fait, ça. Y'a rien dans l'eau, c'est marrant ça. J'aurais pu imaginer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des renforts. Et un petit coin tranquille. Là, on va s'amuser, on crever, salope. Heureux, chers amis, excusez-moi. Pouah. On me parle de partout sans raison. Et B, on prend cher. Hein. Alors. Ok. Est-ce que tu vas tenir? Voilà. Et voilà. Alors. Puis tous les chinois, je ne prends pas ça. Je vais me contenter de prendre les munitions et les pistolets. 10 mm. N'attendez pas à ce que ce soit un repère en fait. Si je peux appeler ça un repère. Alors vraiment pas. Fusil d'assaut, oui, je l'avais laissé sur place exprès. Pistolet, voilà. Est-ce que je peux réparer ça déjà? Je gagne un petit peu de place, parfait. Fusil d'assaut, fusil d'assaut, fusil d'assaut, je le laisse. Je le laisse sur place, tant pis. La viande de rat de cafard. Des mantas, des munitions. Il prend de la place à l'écran le fusil de chasse. Hein. Hop. Non, ça ne m'intéresse pas. À couvert, du jet. On va utiliser le bouquin à couvert parce que je sais pas s'il prend de la place, on va pouvoir en profiter pour regarder ça. À couvert, est-ce qu'il prend de la place? Il prend du poids, donc c'est bon. Explosif, 1. Parfait. Continuons, des steam packs, ça pourrait être pratique vu ce qu'on a bouffé dans le nez. Radaway, c'est toujours sympa aussi, des Medix. Des Radix, ça c'est génial. On va prendre un petit peu de steam pack. On va aller voir ce qu'on a de, où est-ce qu'on a besoin de quelque chose. Ici, 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 et ensuite ici. Oula, hop. Voilà. Oh, j'ai failli passer à côté de ça. Ça c'est bon. Ouh, 110, 100. La vache. Bon, on n'est pas prêt de pouvoir les prendre ces munitions. Celles-là on les a prises. Il y avait du Nuka-Cola à côté. J'aurais peut-être dû jeter un œil dessus. Psycho, je prends. Caisse de munitions, je prends. Bon.
Bah on n'est pas seul alors, chers amis. Toujours bon à savoir. Je crois qu'on peut rentrer dans ce bâtiment, non? Non. Ami ou ennemi? Ami. En tout cas, je crois. Allons voir ça. Oui, sa radio. C'est verrouillé pour une bonne raison. Non, c'est ta radio que je cherche. Ne faites pas d'illusions. Hop, voilà. Aha. What? Mais j'ai juste éteint ta radio. Le mec qui me tire dessus parce que j'ai éteint sa radio. What? Ouais. Des choses à vendre? Deux ou trois choses. Bon, bah t'as un petit peu de crédit. Enfin, de caps. Batte de baseball, tiens. Bombe sucrée, du jet, merci. Du medix, merci. Des mantas, merci. L'eau purifiée, je garde. Le psycho, je te le vends, par contre. Le radix, je... non, pas le radaway, oui, pardon. Le radix, j'ai dit. Voilà, merci. Et pour ceux qui penseront au radis, non, c'est faux. Je n'ai pas dit ça. Je ne prends pas des radis. Est-il des munitions? Il a des munitions. Alors. Hop. Parfait. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la... Ouais. Alors simplement, mon pote, je t'aime beaucoup. Hein. T'as l'air vachement sympathique. Cependant, déjà, hop. J'éteins ta radio. Avant qu'on se tape une musique à la con qui me foute un putain de copyright. Purée minute. Hop. On va te piquer tes munitions si ça te dérange pas. Hop. Excuse-moi, je fouille un peu dans tes affaires. Salut. Continuons. J'aime pas me balader en bordure comme ça. Comprenez pourquoi? J'ai passé une mission avec ça. Wouhou. SVAV, merci. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Tu me lèches. Tu me lèches. Et je te défonce. Et tu aimes ça. Comme d'habitude. Je recharge, je cherche tes copains. Tu n'en avais pas un, comme d'habitude. On va arrêter ça. Arrêtez de dire que je vais faire The Voice, ça va pas le faire. What? J'ai rien dit. Il avait des potes. Et c'était pas des chiottes. Comme d'habitude. On va prendre des armes. On va prendre le lance-missile. On va espérer que ce n'est pas une brute. Touchons-le. De toute façon, il est trop près. Et ça n'a pas touché. What, ça lui est passé au travers. Bouffe ça dedans tes dents. Je sais que t'aimes ça. Mais je gaspille des munitions. Putain, mais elle est partie. Elle est partie exploser à chaille, quoi. Alors. Tu l'as aimé là-bas dans la tête là? Raté. Pour voir que en fait mon arme n'étant pas extrêmement précise,
J'en ai eu un. Et de deux, et il en reste un. Et il s'est planqué. Par conséquent, vous savez ce que c'est que cette technique, hein. Hop. Merde, j'ai raté. Bouffe. Et rebouffe. Boum. Oh, je l'ai raté. Là, je l'ai eu. Salut, mon pote. T'avais de la viande de chien, c'est cool. En avoir besoin, parce que putain, j'ai la... j'ai pris cher. Donc oui, j'ai la dalle en soi. Bombe sucrée, faut que je les garde. Viande de fangeux, je vais la manger. Viande de chien, je la mange. Viande de rataupe, je la mange. Je vais prendre un rat de whey aussi. Ça peut me faire du bien. Prendre du crame aussi. Peut-être un Nuka-Cola. Pour le plaisir. Le Nuka-Cola, c'était uniquement pour le plaisir. Hein. C'était pour me rincer la gorge. Comme dirait, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur non plus d'ailleurs, je sais plus. Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Me permets-tu de prendre une gorgée de ce délicieux breuvage pour rincer tout ça? Ben, je fais pareil. Bonjour, monsieur la brute, t'avais un minigun sur toi. Oh bah, je sais pas ce que tu faisais avec ça, mais je pense que je vais te le piquer. Vous allez voir, le minigun, je crois qu'il prend des munitions, genre de... Ah, déjà, on va avoir des choses à réparer, c'est cool. Pour réparer, par exemple, mon fusil de chasse. Ah bah non. Voilà. Ah, il prend du 5 mm, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par contre, oui, je suis toujours trop lourd de 2. Donc, est-ce que si je prends 2 eaux purifiées, ça suffit? Et une eau sale, tiens, pour la peine. Parfait. Il me semble qu'on est bon. Mais il faut quand même qu'il n'ait pas de genre des munitions ou des trucs du genre autour. Genre ça, vous voyez, là. Moyen. Ah, ah, ah. Tu me résistes. Tu ne me résisteras pas longtemps. 3 missiles. Pop, 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 pop. J'ai eu peur que ça suffise à me surcharger. Je l'avoue. Mais bon, il me semble qu'on est bon, chers amis. On va visiter les étages inférieurs, entre guillemets. Sous l'escalier, des fois que... Non. Ici non plus. Bon. Ouais, sauvegardons un petit coup. Là, il y a clairement quelque chose. Alors, voyons voir. Balandons-nous un petit peu, hein. Comme on l'a dit, on devait chercher un petit peu d'XP. Ah, métro irradié. Je pense pas qu'on ira. Ça m'inquiète un peu. Oula, c'est quoi ça? Hall d'accès. Très étrange cet endroit. Bon, et bien écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite, si vous n'arrivez pas comme moi à attendre Fallout 4, à aller sur mon partenaire, donc gamesplanet.com, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne aussi, oui. Et plus directement vers les liens des différents jeux Fallout dans le descriptif de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!